Et salut tout le monde, c'est Zapolo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est pas sur du Minecraft, c'est pas non plus un jeu vidéo auquel je suis en train de jouer actuellement, c'est une vidéo d'extrait que j'ai pu trouver sur YouTube. Donc pourquoi je fais une vidéo comme ça? Je vais vous expliquer tout de suite. Donc je sais pas pour ceux qui connaissent ou qui reconnaissent. Il s'agit du nouveau jeu qui est sorti aujourd'hui pour moi, soit le 9 octobre 2013 sur PlayStation 3 exclusivement. Je parlais bien sûr de Beyond Two Souls, la nouvelle exclusivité de Quantic Dream. Quantic Dream qui, je vous rappelle, ont créé donc... ils n'ont pas fait beaucoup de jeux, hein, vraiment pas. Il y en a eu genre 4 ou 5, quelque chose comme ça. Mais celui-là c'est le dernier jeu vidéo sur PlayStation 3 comme je disais, qui s'appelle donc Beyond Two Souls. Donc développé par Quantic Dream, édité par Sony Computer Entertainment, même pas, je crois que c'est Sony tout court, enfin bref, voilà. Il est au prix de 55,99€ sur Amazon, je crois qu'il est un petit peu plus cher sur la Fnac, et je crois qu'il est globalement à 69€ sur Micromania, 58€ sur la Fnac, et donc 55,99€ sur Amazon. Donc voilà, donc, si vous voulez l'acheter, je vous conseille sur Amazon, ça sera moins cher. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous contrôlez, donc là normalement sur ce que vous verrez en bas à gauche de l'écran, là par terre, une jeune fille qui s'appelle, donc alors attendez, parce que le nom, je l'ai marqué, Jodie Holmes. Donc là, elle doit être à l'adolescence ou un petit peu plus vers l'adulte, je pense. Donc le but, on va la contrôler, donc qu'un seul personnage à contrôler, et on va la suivre toute sa vie, donc de son enfance à son adolescence et à sa vie adulte, qui est beaucoup plus tumultueuse, mais beaucoup plus comment vous dire, oui, tumultueuse. On la contrôle, mais de manière aléatoire, c'est-à-dire que d'un coup ça va être l'adolescence, puis on passe à l'adulte, puis on, enfin, c'est pas dans l'ordre du tout, c'est-à-dire qu'on fait pas du tout enfance, adolescence et ensuite sa vie d'adulte, non, c'est dans le désordre. Et donc elle découvre cette jeune fille, alors il me semble que c'est dès l'enfance qu'elle a un don, elle peut parler à une entité fantomatique qui s'appelle Aiden. Alors bien évidemment, tout jeu va tourner autour de ça, c'est-à-dire de l'interaction entre Jodie et Aiden, le fantôme avec qui elle peut parler. Peut parler, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir, nous en tant que joueurs, contrôler à la fois Jodie, et à la fois cette entité fantomatique, et grâce à ça on va pouvoir réaliser des actions. Alors il faut savoir que c'est pas forcément un gentil, ce fantôme, elle peut pas vraiment le contrôler en fait, c'est-à-dire que il en fait un peu qu'à sa tête, mais enfin bon, c'est nous qui le contrôlons quand même. Hein. Notamment, je conseille d'aller voir une vidéo sur, enfin la vidéo de gameplay sur jeuxvideo.com. Il montre une scène assez marrante. C'est vers son adolescence, où elle se fait inviter à l'anniversaire, où bon, finalement, personne ne l'aime, ou je sais plus quoi, et finalement elle se venge. Enfin, elle veut se venger, elle demande à Aiden, le fantôme, de se venger, mais bon. Lui, il est un peu incontrôlable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il commence, il détruit tout, il peut tuer, etc. Donc voilà, c'est juste, je vais juste vous en parler parce que j'adore les jeux Quantic Dream. Pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est différent. C'est-à-dire que bon, moi, je suis pas très compliqué pour les jeux vidéo, mais vraiment, bon, ça s'adresse plutôt aux adultes, enfin aux adultes, aux jeunes adultes. Ou évidemment, si vous avez 10, 11 ans, 12 ans, je pense vraiment pas que ça vous plaira, parce que c'est plus un film interactif qu'un jeu vidéo, vous attendez pas du tout un GTA, ça n'a rien à voir. C'est un film interactif où il y a 23 fins, ou 24 fins, si je dis pas, je crois que c'est 23 fins, si je dis pas de conneries, différentes en fonction des choix que vous allez faire au fur et à mesure de l'histoire. Pour ceux qui ont joué à Heavy Rain, faut pas s'attendre tout à fait au même jeu qu'Heavy Rain, dans le sens où on peut pas contrôler trois personnages, et d'après ce que j'ai pu comprendre, faut pas du tout s'attendre à un Heavy Rain 2, quoi. Donc soyez pas déçus par le début, mais croyez-moi, je pense que c'est réellement, si vous aimez ce genre de jeu, donc c'est un jeu interactif, un film interactif, je sais pas trop comment dire, voilà, où donc vous allez devoir faire évoluer Jodie au fur et à mesure de son histoire. Je sais pas exactement la durée de vie, il me semble que c'est 14 ou 15 heures. Bon, ça dépend des choix que vous faites. Et si vous aimez un peu vous balader et tout essayer. Donc c'est une histoire linéaire, hein. Vous pouvez pas aller dans une ville, etc. C'est une suite de faits
à laquelle vous allez par exemple pouvoir discuter avec un personnage comme actuellement à l'écran, lui répond, etc. Et c'est ça qui est vraiment énorme. Enfin, moi personnellement, sur Heavy Rain, donc le jeu qui est pourtant sur PlayStation 3 aussi, pour moi, c'était vraiment, j'avais vraiment adoré ce jeu. J'étais rentré dans l'histoire, mais d'une façon juste hallucinante. J'avais vraiment été accro à l'histoire, donc j'espère qu'avec celle-là, je l'ai commandé, je voudrais le recevoir d'ici peu de temps. J'espère vraiment que ça va être pareil. Malheureusement, je pourrais pas faire de vidéo dessus, mais enfin, même si c'est pas vraiment un jeu à filmer, parce que bon, c'est beaucoup trop lent, beaucoup trop long, c'est un jeu vraiment à découvrir tout seul, je pense, vraiment en se prenant au gameplay. Oula, alors attendez, parce que Jump, elle va sauter. Oulou. Donc là, je suppose qu'on va prendre le contrôle d'Aiden, même pas. Ouais, voilà, vous voyez. Là, par exemple, on voit qu'il y a Aiden, donc, qui l'a arrêté. Enfin, vous l'avez vu précédemment, il est en bleu ou en violet. Enfin, voilà, donc, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Je reprendrai le Minecraft. Hein. Là, vraiment, je fais une vidéo comme ça, c'est vraiment parce que j'adore les jeux Quantic Dream, et je suis persuadé à 200% que je vais adorer le jeu. Donc, il fallait absolument que je vous en parle. Il devrait y avoir plus de jeux vidéo aussi original et aussi bien ficelé que ça. C'est vraiment un jeu différent. Renseignez-vous dessus avant de l'acheter. Regardez les vidéos de gameplay comme j'ai pu le faire. Allez voir les gameplays sur jeuxvideo.com. Il est pas très très cher, honnêtement, pour la qualité du jeu. 55€, enfin, sur 56 du coup sur Amazon. Honnêtement, c'est pas super cher. Là, il est en anglais, mais il faut savoir que il y a une VF et il y a une VO sous-titrée. Moi, je vous conseille de l'écouter en VO sous-titrée. Enfin, ça, vous faites comme vous voulez. Selon vos choix. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur du Minecraft. Et à... Ciao tout le monde. You are...